Zombie apocalypse. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une découverte du jeu Hideout Face Your Fears, qui veut dire en français « Cache-toi, fais face à tes peurs », qui est un jeu actuellement qui est gratuit sur Steam, mais je ne peux pas vous dire si cela va changer ou pas, s'il va sortir après en jeu payant ou pas du tout. Donc si le trailer que je vais vous montrer vous plaît, ben à ce moment-là, foncez et testez le jeu. Bien qu'on va le tester évidemment de notre côté. C'est un jeu que j'avais découvert au niveau de YouTube en regardant les sorties prévues en 2021. Parce que là, on a passé quelques mois avec très peu de sorties de jeux, du moins de mon côté, qui me plaisaient. Donc, j'avais vu ce trailer et donc maintenant, il est gratuit sur Steam. Donc, j'en ai profité. C'est un jeu qui est en accès anticipé, classé tag survie post-apocalyptique, infiltration à la troisième personne. Donc, par rapport au trailer que je vais vous mettre, honnêtement, moi, il m'a vachement hypé. Je me suis dit, il a l'air super sympa ce jeu. À voir après, évidemment, hein, il est en accès anticipé. Voir comment les développeurs vont tourner ça. Ça, je ne peux pas vous le dire, je ne sais pas, je ne suis pas rentrée en contact avec eux pour en savoir plus, c'est savoir si le jeu allait rester gratuit ou pas. Donc, au niveau du speech habituel du jeu pour vous le présenter, c'est un jeu qui se déroule dans un monde dévasté par la guerre contre l'IA, qui a renversé en fait la société. On va incarner May, que vous voyez ici à l'image à gauche, une survivante vivant dans un bunker qui doit partir en quête de médicaments pour son petit frère qui est malade, que vous voyez en bas à droite, et qui va être un petit peu le narratif de cette histoire, et qui s'appelle Jack. Elle va devoir se cacher des robots qui sont créés par l'IA afin de traquer l'humanité, qui sont de vraies machines de guerre et qui n'hésiteront pas à vous tuer à vue. Seule façon de survivre et c'est de rester en fait dans l'ombre, donc c'est beaucoup 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 d'infiltration. Pour les amateurs du genre, bah, évidemment ça va vous plaire, et ne pas être détecté. Pour cela, May, donc vous possédez un outil qui vous permet d'interagir avec divers appareils de la ville afin de progresser, effectivement, parce qu'il y a des quêtes qui vous sont données, qui va vous permettre effectivement d'interagir avec divers appareils de la ville afin de débloquer les portes, afin de pouvoir passer, d'alimenter des générateurs pour mettre l'électricité s'il faut que vous passiez par un endroit où une porte doit être alimentée par l'électricité, trouver des infos dans la ville, fabriquer des objets afin de distraire les ennemis, voire les neutraliser. Donc, pas mal de choses à faire. Attention, car les robots qui sont dans le jeu, vous allez le voir dans le trailer, sont quand même, franchement, pas sympas du tout. Ils ont été conçus par l'IA pour nous traquer. Et ce sont vraiment des machines de guerre qui vont pas du tout hésiter à tirer à vue et à nous tuer, quoi. Si vous êtes détecté, c'est game over. Donc, le seul moyen, vraiment, ça va être l'infiltration. Et essayer de les gruger, quoi, en fait, voilà, tout bêtement. Petite précision, toutefois, c'est un jeu d'aventure au rythme relativement lent, hein, puisque c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de furtivité, dans un cadre sombre qui, associé à la narration, crée une atmosphère tendue et oppressante. Attention, si vous faites repérer, je vous l'ai dit, c'est game over. Donc, c'est un jeu qui est sorti, je vous le disais, le 14 juillet 2021. Il est développé par Better in Red et ESAT et édité par ESAT. Alors, pour l'instant, le jeu n'est dispo qu'en anglais, mais vous allez voir que ça ne sera pas très compliqué. Je fais cette vidéo avec simplement l'explication, l'histoire du jeu. Et ensuite, je vais vous mettre le trailer, comme ça vous faites une idée. Et la deuxième vidéo que je posterai, on se retrouvera à ce moment-là directement dans le gameplay, ce qui fait que ça ne fera pas perdre de temps pour faire le jeu, car je ne connais pas la durée de vie actuelle du jeu, je ne l'ai pas encore testé, je le découvrirai avec vous. Mais voilà, je préférais vous mettre le trailer et on fera la prochaine vidéo, on fait le gameplay. Sur ce, je vous laisse sur le trailer, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, moi, il me botte bien. Excusez-moi si je parle un petit peu du nez, mais le pollen n'est pas mon meilleur ami et aujourd'hui, c'est la totale. Sur ce, je vous fais en tout cas plein de bisous, n'hésitez pas à vous abonner.
à partager, à mettre un petit pouce en l'air, à lâcher un commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne. Sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera effectivement directement le gameplay. Plein de bisous à vous. Bye bye. This is pure chaos. The whole village has been invaded by those monsters. The citizens were butchered, and now the resistance has lost the little amount of power they had. My last chance to survive is to get to the Project Gaia lab. If someone is listening to this, get there as fast as you possibly can. They're coming! What's going on? I think that this is the last safe place. It lies below the tallest building in town. Make your way there by all means necessary. I will look for the final weapon that is hidden there. What's going on? I have to get out of here! That is what the machines are at. I've been told that the entrance is in the middle of the square. Don't forget to upgrade your equipment. Good luck.